Salut les bricolos, je me présente, je m'appelle Sébastien. J'ai créé ma chaîne Vie pratique des outils. Et aujourd'hui, un truc qui n'est pas facile à faire, j'avoue, et qui m'a demandé un peu de temps et un peu de pratique, c'est comment affûter une tronçonneuse. Allez, je vous montre, c'est parti, on y va. Étape, je m'assure que la tronçonneuse soit bien serrée dans un étau pour pas que le guide bouge, comme ceci. Voilà, on serre bien. Deuxième étape, je m'assure aussi que la chaîne soit bien tendue pour pouvoir bien affûter et qu'il n'y ait pas de renvoi vers l'arrière avec la lime. On commence par marquer la première gouge qu'on va affûter avec un marqueur de couleur, comme ceci. Comme ça, en fait, lorsqu'on va tourner, arrivant à la fin de l'affûtage, on aura bien notre gouge rouge qui arrive là, et là on saura que on a fini d'affûter d'un côté. Ensuite, on se munit d'une lime ronde de diamètre 4,8, et là nous sommes sur une chaîne de 3 huitièmes. Voilà, donc je vous montre. On pose la lime comme ceci, à plat. Et à 45 degrés par rapport au guide. Et en toute logique, on doit affûter à plat. Donc moi, en fait, j'ai appris une technique légèrement différente. Je suis bien à 45 degrés toujours. Mais en fait, je baisse un peu ma lime pour pouvoir pousser comme ça et affûter vers l'extérieur. Tout en l'idéal étant de tourner en même temps, en remontant sous la gouge. Comme si on voulait lever la chaîne de tronçonneuse. Et bien sûr, on maintient bien derrière avec son pouce. Comme ceci. Et normalement, on doit voir un léger brillant à l'intérieur de la gouge. Le tranchant de la gouge doit être brillant, un peu comme un miroir. Mais je vais vous faire un gros plan tout de suite après. Donc, on voit bien le côté brillant qui ressort au niveau de la gouge, comme ceci. Là, on signe d'un bon affûtage au niveau de la lime. Et une deuxième technique pour bien savoir si c'est affûté, bien affûté, on prend sa main comme ça, et en fait on gratte. Je ne sais pas si vous écoutez, on a la sensation d'une résistance sur la main, comme si on touchait une lame de couteau bien aiguisée. On sent que le tranchant est vraiment vraiment saillant. Quand j'ai fini un côté, je tourne la tronçonneuse que je resserre dans l'étau pour faire l'autre côté, pour affûter de l'autre côté. Et un détail très important, lorsque j'affûte mes gouges, il faut que je compte mes coups de lime. C'est-à-dire que si j'en fais 10 ici, j'en ferai 10 aussi sur celle-là. Et de l'autre côté, c'est pareil. Bien respecter ce détail, hein. Ne pas mettre plus de coups de lime d'un côté que de l'autre, hein. Car votre tronçonneuse tronçonnera de travers, c'est évident. Une fois l'affûtage terminé, je détends ma chaîne comme ceci. Je dévisse ici. Et je détends ma chaîne en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, elle est détendue. Donc là, je relève légèrement la tronçonneuse et je retends la chaîne en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Sens inverse en fait. La bonne tension est celle-ci. En fait, les galets entraîneurs sont à ras du guide. Et on resserre. Voilà, la tronçonneuse est prête à tronçonner. Dernière étape, nous allons essayer la tronçonneuse pour voir si on est bien travaillé.
Là, comme vous avez pu le voir, la tronçonneuse descend toute seule dans le bois, signe que l'affûtage est parfait. Voilà. Cette vidéo sur l'affûtage de la tronçonneuse est terminée. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne qui se trouve ici sur le carré rouge, et à mettre éventuellement, si cela vous a plu, un petit pouce bleu qui m'encouragera dans mes prochaines vidéos. Je posterai très prochainement une autre vidéo qui j'espère vous plaira aussi. À bientôt les bricolos!